Je vais vous demander d'accueillir ici, au Cap Cinéma, ce soir, spécialement pour vous, pour une émission en direct jusqu'à 21h, sur 100%, sur la Web TV. Elle est là, rien que pour vous. Vous avez gagné vos invitations. C'est une rencontre 100% privée. C'est le live de 100%. Je vais vous demander d'accueillir Laurie. Les divas du dancing, les divas du dancing, les sommets du mambo. C'est qu'on ne verra jamais dans les discos, les femmes. Laurie les femmes. Ah, bonsoir, basso. Quel accueil. Super. Laurie. Et tu penses encore autant du micro. Les divas du dancing. Laurie en direct sur 100%. Ils t'attendent, hein. Bah ouais, c'est super. Quel accueil, c'est génial. Bel accueil, hein. Mais c'est normal. On est une artiste de qualité, forcément. C'est gentil. Non mais je te le dis d'entrée, moi, de toute façon, je suis fan de Laurie. Voilà. Ah. Je suis fan, comme ça c'est dit. Au moins tu le sais. Voilà, comme pas mal d'ailleurs de gagnants et de gagnantes qui sont là. Je vais vraiment vous demander encore une fois d'accueillir Laurie parce qu'elle a un emploi du temps chargé. Mais alors on en parlera tout à l'heure. Mais alors c'est vraiment chargé. Donc j'aimerais qu'on l'applaudisse pour sa venue ici à Montauban au Cap Cinéma en direct sur 100%. Merci Laurie. Merci de m'inviter, c'est très agréable, c'est très gentil en tout cas. Alors comme je te le disais tout à l'heure quand on préparait, si on appelle ça préparer l'interview, ça va être une conversation jusqu'à 21h. Ouais. C'est toi-même qui va faire ton interview. Alors là, Qu'est-ce que c'est que ces lettres ? Je m'aperçois que la lettre D est à l'envers. Ouais. Mais écoute, on discute, okay. on discute et quand tu as envie... Tu décides de prendre une lettre, parce que sur la table, voilà, je dis à nos auditeurs qui nous écoutent. Pourquoi D, V, J, pourquoi c'est pas les, je sais pas, ABCD, c'est pas dans l'ordre de l'alphabet, non ? C'est parce que c'est l'interview technique. Ah, ça a l'air compliqué ce truc. Non. Est-ce que tu es prête, d'abord, Laurie, alors on va parler bien sûr de ta tournée. Le 20 avril, ça sera à Toulouse, au Casino Barrière de Toulouse. Ouais, voilà. Il y a des Toulousains et des Toulousaines, bravo, voilà, il y a des supporters qui sont là. Voilà. On va parler bien sûr de ton album Danse, un album que je vous conseille vivement, qui s'intitule Danse. Et Laurie est là pour nous présenter son album. Et moi, ça me fait encore plaisir que vous applaudissiez Laurie, que d'applaudissements. C'est pour l'ambiance. Ça va être une émission que d'applaudissements, c'est bien ça. Non, parce que... Je voulais en parler avec toi parce que c'est quand même impressionnant. Hier soir, il y en a peut-être qui ont regardé la télévision. Alors, je vais faire de la pub pour mon ami Cyril Hanouna sur D8. Hier soir, tu étais à Paris en direct. Oui. Tu es là ce soir, tu as fait de la promo à Toulouse cet après-midi. Ma question est, comment fais-tu ? Je ne sais pas. Parce que ton manager, on peut en parler, ton manager que tu connais bien, il te connaît bien également. Oui. On peut dire qui c'est ton manager ? Oui, si tu veux, bien sûr. C'est qui ? C'est mon père. Voilà, qui s'appelle Dominique, il est là, dans le coin. On peut l'applaudir également, Dominique. C'est le manager. Et je vais saluer également Francis, l'attaché de presse, qui est là. Et ton papa m'a dit tout à l'heure, alors je ne sais pas si je dois le répéter ou pas, elle m'épuise. Parce que je lui ai dit, ah, mais comment tu fais ? Elle m'a dit, elle m'épuise. Et alors, je demande au public de t'applaudir, Laurie, parce que j'ai appris sur ton Twitter. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai vu sur ton tweet... Tu n'as pas ton téléphone, je voulais qu'on fasse un peu le buzz sur... Non, je l'ai pas, bon, mais il n'est pas loin, je vais le prendre. Francis, tu peux tout mettre... Tout à l'heure, je prendrai en photo. Voilà. Et parce que j'aimerais qu'on fasse un peu le buzz sur le tweet de Laurie. Oui. C'est @LaurieOfficiel, c'est ça. Bon, voilà, donc vous pouvez y aller. Je parlais de ton papa, et je parlais de toi également, parce que j'ai appris donc sur Twitter que tu avais la grippe il y a quelques jours. Ah oui, mais non, mais je suis malade. Alors, attends. De la fièvre et tout. Voilà, alors, j'aimerais qu'on t'applaudisse, parce que tu es malade. Tu viens, et en plus... Laurie va chanter des chansons. Ouais. Donc, s'il vous plaît, on l'applaudit, malgré... Il y a deux jours, j'étais à faune, hein, je vous dis tout de suite. Mais non, mais... Alors moi, j'ai regardé hier, parce que je savais que j'allais t'accueillir ce soir, j'ai regardé la télé, je dis, mais elle est malade, mais ça ne se voit pas. Donc, Vive le maquillage. Merci. L'anti-cerne. Je vous donnerai mes petits produits de beauté après. Hein. D'accord, c'est sympa. Alors Laurie, cet album Danse, on va en parler. C'est ton album. C'est le tien. Tu as travaillé. Tout à l'heure, je disais que tu étais la patronne. C'est toi un peu la boss. C'est ta société. C'est toi qui décides.
C'est nouveau un peu comme rôle ou tu voulais le faire pour cet album comment ça se passe? Explique-nous tout. Ben, moi, j'ai déjà, donc, depuis 12 ans maintenant, je suis là, je vous casse les oreilles. Et j'ai toujours eu un fort caractère et je savais déjà depuis le début ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Alors, fort caractère, c'est, on va dire, franche. Oui, bah non, ouais, mais quand je sais ce que je veux, quoi, et que je suis taureau, et donc quand je sais ce que je veux, allez, on y va. Et là, oui, c'est un petit peu nouveau dans le sens où j'ai quitté ma maison de disque l'année dernière. Voilà. Et j'ai donc décidé de produire cet album-là avec ma propre société, sous mon propre label. Donc oui, c'est un peu nouveau parce que j'ai le job d'artiste et le job de maison de disque à faire en même temps. Voilà, d'attaché de presse. Enfin, non, Francis, bah non. Je n'ai rien dit, attaché de presse, il est là. Bien sûr, mais je m'entoure d'une équipe voilà, tu gères, avec moi. Tu coaches une équipe. Voilà, j'ai fait ma petite équipe. Je suis désolée, je cherche mes mots, je suis un peu fatiguée. Non, mais attends, on est tranquille. Hein. Et donc voilà, j'ai des gens autour de moi. Et dans le détail, en plus, j'allais dire. Parce Comment que par exemple, tu vois, pour l'affiche qu'on a créée, ah bah oui. On avait un petit détail, bon, on ne dira pas quoi. Mais il y a un petit truc qui me dérangeait sur l'affiche. Voilà. Et puis voilà. Ça y est. Et tu as vu avec ton staff. Et, non, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins, je te pose la question. Ce qu'il y a, c'est oui ou c'est non. Je te pose la question, est-ce qu'on peut avoir des chansons? On me dit oui. Bon, l'affiche, il faudrait enlever un petit truc qui ne nous plaît pas. Donc, hop, on refait l'affiche. Donc, tu es derrière à tous les niveaux. À tous les niveaux, oui, bah oui, mais je me suis rendu compte qu'il fallait être là. Mais là, j'ai une petite équipe autour de moi qui est vraiment une petite équipe indépendante. Ils sont vraiment super, ils sont à fond, ils croient en moi et en ce que je fais. Donc c'est vraiment génial de les avoir à mes côtés. Mais c'est vrai que, ben, en tant que directrice de label, je dirais, boss, en plus vas-y, d'artiste, vas-y, de boss. Y a des choses à gérer, des choses que je suis en train d'apprendre. J'ai des devis, des budgets à faire, enfin des choses à regarder. C'est génial, c'est moi bien. J'apprends énormément de choses et je me dis que tout ce que je suis en train d'apprendre là, peut-être qu'un jour je pourrais m'en servir pour produire d'autres artistes aussi. Pour me produire, pourquoi et pas bah, voilà. si je chante, bon, je ne vais pas donc, chanter. Donc c'est juste, moi j'aime ça, hein. j'aime les aventures, j'aime apprendre, j'aime découvrir, donc ça m'intéresse énormément. Et je crois même que tu aimes venir découvrir les gens aussi, à la rencontre des gens, j'aime où que ce soit. J'aime bien venir proche, enfin voilà, plus près de vous parce que c'est là qu'il se passe des choses, c'est là qu'on se parle, qu'on se voit, qu'on chante ensemble. C'est là qu'il y a plein d'amour qui se fait. Et voilà, partout, les radios, les télés. Ouais. Quand est-ce que tu dis non? Est-ce que oui, je pense J'arrive que tu sais dire non. Non, si, tu sais peut-être dire non, puisqu'on a parlé de ton caractère tout à l'heure de taureau. Oui, non, voilà, il y a des choses que. Mais c'est vrai que c'est difficile de t'entendre dire non. Voilà. Non. Bon, d'accord. Excuse-moi, je fais une parenthèse parce que Julien qui est là, qui s'occupe de la technique. Julien, qu'est-ce que j'ai dit quand on parlait de l'album Danse? D'accord, il a raccroché. D'accord. Alors donc, ça c'est test l'amour à la plage. Donc, c'est le premier extrait de l'album Danse de Laurie, l'amour à la plage. Donc c'était Niagara, si je me souviens bien. Voilà. Hop, c'était pour voir j'aime si ton était. Petit geste. Non, mais je me suis inspiré des plus grands. Mais oui, j'ai vu ça. Tu as vu. Et normalement, quand tu refais le geste comme ça, c'est quelque chose non, qui doit repartir. Ah, c'est comme ça. Je lance. Voilà. Ah, voilà. C'est celle-là que je voulais entendre, moi. Parce que c'est le deuxième extrait de l'album de Laurie qui est sorti à la fin de l'année dernière. Voilà. Donc, nous allons parler de cet album. Comment as-tu choisi les titres de l'album? Parce que là, tu t'attaques quand même à du lourd. J'ai fait un tirage au sort. Non, c'est pas vrai. D'accord, parce que quand on voit les chansons, on vient de parler de Niagara, l'amour à la plage. Là, on entend Cataldo, Lidiva du Dancing. Est-ce que c'est un choix par rapport aux artistes qui ont chanté les chansons? Est-ce que c'est par rapport à la chanson? Comment tu as choisi les reprises que tu as faites? Alors, tout d'abord, j'avais fait une liste de chansons que j'aimais. Alors, déjà, tout d'abord, ma ligne éditoriale, directrice, c'était Le Soleil et la Danse. Voilà. Donc, je voulais un album très dansant, très festif et ensoleillé. Voilà. Donc, on peut dire que c'est un album brillantissime. Bah, si tu ensoleillé, dis, voilà, c'est un moi, album brillant avec le soleil, voilà, brillantissime. Tout à fait. On peut tout applaudir la vanne de l'animateur, s'il vous plaît. Brillantissime pour Soleil, parce que c'est vrai qu'on voit Soleil de ma vie, voilà, sous le soleil de Bodega. Dans presque tous les titres, il y a ou le mot soleil ou le mot danse. Oui. Et donc j'ai pris des titres au départ que j'aimais quand j'étais petite, comme L'amour à la plage, Tropique, Sous le soleil de Bodega, des titres que j'aimais bien, voilà, tout simplement. Voilà. Et ensuite j'ai fait une petite recherche sur Internet, j'ai fait un petit travail quand même, et j'ai découvert des titres comme Les Divas du Dancing, Je danse donc je suis, et puis d'autres.
Et ensuite, donc j'avais une très très grosse liste en arrivant au studio. Ouais, alors comment et tu as fait pour le studio, c'est vrai que c'est, ça, au sort, non c'est ça. Le studio est devenu un laboratoire. Ah, d'accord. Einstein. Et donc on a essayé parce que tous ces titres-là sur cet album ont des sonorités latino. Oui, et alors ça ne va pas à tous les titres. C'est pour ça donc, aussi que ça s'appelle danse, parce que tout à l'heure, ça. On verra tout à l'heure, enfin, je ne sais pas si j'aurai des cours de danse, mais sur telle ou telle chanson, on peut danser telle ou telle danse. Voilà, on peut danser nous aider, ça, d'ailleurs. Du cha-cha, voilà. De la samba. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Oui, que tu arrives en studio, que c'est un laboratoire. Que je suis arrivée en studio avec une grosse liste. Et donc, après la sélection, le tri s'est fait tout naturellement, puisqu'il y avait des titres pour lesquels cet exercice de latino fonctionnait, et d'autres non. D'accord. Voilà, donc les titres qui sonnaient pas très bien, on les a mis de côté. D'accord. Mais alors, ce qui est sympa aussi dans cet album, c'est qu'on redécouvre les chansons. Tout à fait. Hein, t'as vu ? On peut l'applaudir. Ah, merci. Oui, merci. Merci. Non, en principe, c'est l'artiste qu'on applaudit. Non, mais on redécouvre des chansons. Massagir, que j'ai présenté tout à l'heure, Marine, stagiaire en événementiel, puisque c'est un gros événement ce soir. On a écouté le CD en venant. Et c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, cette chanson, d'habitude, tiens, je ne l'entendais pas comme ça, ou tu redécouvres des paroles, oui, le sens fait. De la chanson, voilà. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait ? Donc, on a entendu les divas du dancing, l'amour à la plage. Est-ce qu'on peut entendre le soleil de ma vie, s'il vous plaît, Julien ? Qui doit être... C'est ça ? Il est bon, Julien. Ouais, tu veux monter le son ? Tu es le soleil de ma vie. Et là, je me suis dit, y'a chèque, tu vas arriver. Tu es le soleil de ma vie. Il a fait le casting ou pas ? Non, non, écoute, je l'ai appelé et puis il était trop occupé. D'accord. Non, bon, rigole. D'accord. C'est pas vrai. Les négresses vertes, ouais. Sous le soleil de Bodega. Moi, j'adore. Est-ce qu'on peut écouter ? Ah oui, c'est dansant, c'est ensoleillé. Sur cette version-là, j'ai trouvé que tu n'avais pas trop changé par rapport à l'original au niveau de l'orchestration. Oui, elle était déjà en ambiance actuelle andalouse. Oui. Celle-là, c'est assez difficile d'aller ailleurs. Quoi. Ouais, donc, c'est vrai. Bon. On a essayé de la garder. Bon. J'ai bien fait mon boulot, ouais. J'ai analysé. Je vais lui faire dans l'ordre alors à Julien. Alors, on écoute Soleil maintenant. Il faut qu'il suive le Julien. On y va. Soleil. Celle-là, album. Pour le coup, c'est là où on redécouvre la chanson. Oui. Parce que c'était une chanson de Dalida. Elle, oui, l'avait, elle l'avait interprétée en version très, très dense, coup, très disco. Rio. Et donc, là, c'est beaucoup plus calme. Et les paroles prennent vraiment un autre sens, en fait. Et j'ai redécouvert ces paroles-là en la chantant juste piano-voix. Et c'est une chanson qui est juste magnifique. Voilà, parce qu'on allie du piano-voix à une orchestration, comme tu l'as dit tout à l'heure, on entend des trompettes, enfin je ne suis pas technicien en musique, mais il y a des trompettes, il y a une grosse orchestration, et puis celle-là par exemple, piano-voix. Juste un piano, voilà. Et une voix. On continue à découvrir l'album Danse de Laurie, qui est chez tous les bons disquaires. Alors après, normalement c'est Je danse, donc je suis. Julien, à toi. C'est une chanson plus vieille. Quelle année, Laurie ? Ah, je ne sais pas, je ne sais plus. Je n'ai pas bossé, c'est ce celle-là, je n'ai pas bossé celui-là. Voilà. Mais oui, c'est une. Tu veux un peu plus fort, Julien, va. Attends. Je suis. En version un peu bossa nova. Bossa nova. Danse et je te suis. Mais si je te suis, ce n'est pas parce que tu. Hop, on enchaîne avec le coup de soleil, Julien. J'ai on va voir. Je vois. Tout à l'heure. Alors le coup de soleil. Ça, c'est le premier extrait. De l'album, ça, voilà, qu'on a entendu, le coup de soleil. J'ai attrapé un coup de soleil. On peut frapper dans les mains, tu un petit peu là, si on t'a mis en rythme. Ouais. Allez. Je me rappelle, c'est un rêve, t'es super belle, je dors plus la nuit. Je fais des voyages, un bon public, hein, sur des bateaux, t'en dans ton orage, je te vois toute nue, sur du satin, et j'en dors plus d'un bois de bain. Excellent. Mais tu n'es... Hop. Ah, ça chante. Alors attends. Ça chante, ça... oui. Mais ouais. Je sais pas. Je vais essayer de donner la note, mais tu vas peut-être m'aider sur ce coup-là. Mais tu n'es. Si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus là. Oui, merci. Applaudissements du public et de Laurie parce qu'elle vous aide à chanter. Bravo. Et alors là. Bon, enfin, je sais pas si je peux dire mon coup de cœur ou mon coup de soleil. C'est Petite fille du soleil. Alors là, ah, tu aimes bien ça. Ah ouais, moi j'ai craqué. On écoute Julien. Petite fille du soleil. Christophe, bien sûr. Le matin va venir. Un petit message sur son site
site officiel. Mais pause. Laurie, Christophe, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait mis un petit message sur son site officiel en disant que, voilà, que j'avais fait une reprise de lui sur mon dernier album et qu'il a trouvé ça bien. Voilà. D'accord. Parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y en a d'autres qui disent autre chose sur leur tweet. Non, mais j'ai aussi reçu un texto de Philippe Cataldo. Ah aussi, non, ouais. Mais oui, mais je parlais pas des, ah bon, des gentils, d'accord. Moi, je parlais de ceux qui, on non, en parlera tout à l'heure. Fout, ouais, on verra tout à l'heure. On peut réécouter, tu le renvoies au où c'était, hein. Tu peux, Julien, tu peux le faire. Petite fille du soleil, je garde un souvenir. Moi, je dis, c'est beau. Petite fille du soleil, nos délires. Applaudissements pour la reprise de Laurie. Alors Laurie, je suis en train de me dire une chose. En fait, j'ai l'album Danse, voilà, en tournée dans toute la France. Le 14 avril à l'Olympia. Le 20 avril à Toulouse au Casino Barrière. Les réservations sont ouvertes, vous pouvez y aller. On a un album Danse. On a un public. Le public, est-ce qu'il y a ? Applaudissez-vous le public, allez-y, on y va. On a une chanteuse. Non. Si, qui est là, et j'appelle ça la question du public, parce que ça serait bête qu'on n'utilise pas la chanteuse quand même. Ah bon ? Alors attends, je vais poser la question au public. Est-ce que vous avez envie que Laurie chante une chanson pour vous ce soir ? Oui ! Est-ce que vous avez envie que Laurie chante une chanson pour vous ce soir ? Oui ! Est-ce que vous avez envie que Laurie chante ? Voilà, donc par trois fois, je crois qu'on peut applaudir Laurie qui va interpréter en direct sur 100% et sur la web TV de 100% un de ses titres. Tu choisis, tu chantes ce que tu veux, Laurie. On peut l'applaudir, le public du Cap Cinéma de Montauban. Ce que je veux. Oui, tu chantes ce que tu veux. La danse des canards. Allez, point, 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 point. C'est la danse des canards. Qui... Alors, bah, je ne sais pas, demande au public, hein, tu vois, avec eux. Qu'est-ce que tu veux chanter ? Une que vous connaissez ? On commence par laquelle les divas. Oui, il va falloir chanter avec moi, hein, parce que j'ai la grippe, je chante d'une j'ai une voix de canard. Donc on l'encourage et on l'applaudit, s'il vous plaît, Laurie, en direct, sur 100%, les divas du dancing. Et là, je veux voir toutes les mains en l'air. Si vous avez envie de vous lever pour danser, il n'y a pas de problème. Danse, va tanguer sur le parquet ciré. Les violons, ça fait rêver. Les yeux dans les yeux, fais le tourner. Et fais-toi désirer. Si bien le cœur des femmes, tous les mots qui les enflamment. Est-ce le temps d'un tango se tâche, frémissante et parfumée. Toi tu sais où les trouver. Les divas du dancing, les divas du dancing, les cinglés du mambo. Un peu de gourmina,
semblait que vous étiez parti. Vous êtes là? Les divas du dancing, les cinglés du mambo. Vous la connaissez? Celle qui pense. Du passo, celle qui pense encore au temps du Mikado. Oh 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 oh. Merci beaucoup. Laurie, en direct sur 100% au Cap Cinéma. Laurie, bravo, merci. J'en connais, je ne dirai pas de nom, j'ai mal à la gorge, je ne chante pas. Laurie a mal à la gorge, elle a la grippe, elle chante. Applaudissements pour Laurie en direct sur 100%. Merci. Extrait de l'album Danse, en tournée dans toute la France à partir du mois de mars ou avril? Avril, voilà. En plus, j'ai les dates là, et le 20 avril qu'il ne faut pas manquer, bien sûr, à Toulouse. Oui, c'est ça. Et l'Olympia. Alors, l'Olympia, le 14 avril, tu n'as jamais fait l'Olympia? Non. Comment ça se fait, ça? Mais je ne sais pas. Si, moi, je sais. Si. Ah bon? Parce que, alors, je n'ai pas fait l'Olympia, mais tu as fait Bercy, les Zéniths, pour des gros, gros, gros spectacles qui ont réuni des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Parce que j'ai oublié de dire en début d'émission quand même que tu as vendu, et ça va encore s'applaudir, plus de 7 millions d'albums. Applaudissements pour Laurie. Voilà, c'est pas n'importe qui. Voilà. Des milliers de personnes dans les grosses salles. Mais alors, je crois que c'est au niveau logistique. Oui, dans l'Olympia, c'est un peu compliqué de rentrer. De tout rentrer. Et là, on fait un show beaucoup plus intime, un peu plus acoustique. Bien sûr, il va y avoir des musiciens, il va y avoir des danseurs. Mais je voulais un show beaucoup plus interactif avec le public. D'accord, donc voilà, bah, il va y avoir des petites surprises. Un petit peu, voilà, c'est ça. C'est pour t'entraîner un petit peu. Je crois que nous allons revenir dans quelques instants. Et là, je m'adresse à Sébastien. Parce que tu le sais, bah. Mais quand est-ce que je retourne ces trucs-là? Mais je t'ai dit au début, c'était quand tu voulais. Hein. Ah bah. Alors. Allons-y. Non, mais c'est-à-dire que j'ai sur la table des lettres. Et alors, tu sais pas à quoi ça correspond? Si, je sais à quoi ça correspond. C'est la lettre P. Donc je la montre à la caméra, la lettre P. Et alors? Voilà. Et ben, on aura la réponse dans un instant, parce que Sébastien, on va revenir, parce qu'on va faire une petite pause et on va se retrouver dans un instant en direct du Cap Cinéma avec le public du Cap Cinéma de Montauban sur 100%. À tout de suite. Laurie! Et un public en délire! Un public en délire! Voilà! Alors, Lupé, qu'est-ce que ça pourrait être dans le public? Alors, Philou qui est dans le camion, il va être content parce que hop, je ne suis plus là, bah, tu filmes Laurie pendant ce temps-là. Où vas-tu? Je vais dans le public. Le P, ça pourrait être quoi? P. Paris? Non, c'est un O derrière le P, ça fait Po. 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 Pourquoi? Pauline? Populaire, c'est pas mal, mais non. Faut aller un peu plus en arrière encore. Ah, j'ai entendu là-bas. C'est quoi? Alors attends, on va me dire. Je crois que j'ai la réponse. On va me dire. Votre prénom, mademoiselle? Charline. Vous venez d'où? De Mazamé. Dans le Tarn. Donc il y a 2 heures de route pour venir. C'est vrai, wow. Bien sûr. Je t'ai parlé de Limoges aussi, qui sont là, de Bordeaux. On ira les voir tout à l'heure. Voilà. Alors Charline, c'est quoi? Positive quoi? Attitude. Bien sûr. Positive attitude, bravo, mais applaudissements positive pour Charline. Attitude. Bravo. Positive attitude. Positive attitude. Laurie, alors parle-nous de positive attitude. Et tu vas voir où je veux en venir. Vas-y, dis-moi tout. La positive attitude. C'est une attitude positive. C'est ça. Tout à fait. Tu as tout résumé. Alors, moi, je voulais parler de positive attitude parce que là, tu as quand même eu un. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. À l'époque, je ne sais pas si on disait tu as fait le buzz, mais il y a quand même M. Raffarin, un homme d'État, qui a quand même repris. Qui s'est pris pour mon attaché de presse. Alors, voilà, c'est ça que je voulais t'entendre dire. Qui s'est pris? Est-ce que ça a été bénéfique? Est-ce que, comme dans tout buzz, écoute, tu vas pas dire non, puisqu'il en a parlé, il t'a cité. Mais je crois que ça s'est pas fait beaucoup dans l'histoire de la chanson qu'un Premier ministre puisse reprendre un titre de chanson pour faire un discours. C'était assez surprenant. En fait, tu veux que je te dise d'où c'est venu? Ah, ben j'aimerais bien. La genèse de l'historique. Oui, l'historique. En fait, je ne sais plus en quelle année c'était, peut-être en 2004 ou quelque chose comme ça. Oui, 2004. On m'avait demandé d'aller chanter, de faire un petit spectacle pour les enfants, pour le Noël de Matignon.
Oui. Donc, on était à l'opéra et donc il y avait d'autres artistes, il y avait d'autres, il y avait des clowns, il y avait des danseurs classiques, il y avait des musiciens et j'étais venue pour chanter quelques titres. J'étais en pleine tournée à l'époque et donc j'avais chanté, je ne sais plus, 3-4 chansons, dont La Positive Attitude. Et donc après le spectacle, M. Raffarin est venu saluer tous les artistes qui avaient participé à ce spectacle. Et là, donc il dit un petit mot à chacun en fait. Et là, il me parle, donc il vient me voir et il me parle et il me dit oh là là, mais votre chanson, La Positive Attitude, mais elle est juste géniale. J'adore votre message. Ouais. C'est vraiment quelque chose. Je me suis dit bon, il est gentil. Il me dit ça parce que il a quelque chose à dire. Il faut qu'il dise quelque chose de bien, quoi. Okay. Donc il me dit ça. Et c'était quelques semaines après, je me retrouve aux Enfoirés. Et là, c'est Maxime Le Forestier qui me dit Maxime, il me fait mais qu'est-ce que tu fais encore? Mais qu'est-ce qui t'a pris? J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai rien fait? Il dit, mais t'as pas lu dans la presse, t'as pas vu. Comme quand t'es en tournée, en fait, tu regardes plus les infos, d'accord, t'es un peu dans ta bulle. Ouais. Il dit, mais là, on parle de toi partout et tout. Et donc là, effectivement, je commence à regarder et je vois M. Raffarin qui parle de la positive attitude partout. Donc c'est juste génial parce que je commençais à bien cartonner, mais il y avait encore, voilà, dans le milieu littéraire, politique, on me connaissait pas trop bien. Là, au moins, ça y est, tout le monde me connaissait. Ouais, donc voilà, applaudissements pour cette anecdote de Laurie. Si tu veux choisir une lettre, c'est comme tu veux. Hein. Allez. Allez, ah, tu aimes ce jeu, Laurie. Ah, attends. Le A. Le A. Alors, est-ce que je vais voir un petit peu... on a abordé la question, mais on va recommencer parce qu'il faut que tu m'apprennes à danser, Laurie. Donc, ouais. Oui, parce que... Moi, je suis déçu que tu sois parti de Danse avec les Stars. Mais donc, non, il faut pas. Donc, le A pour album. L'album, je vous le rappelle, c'est Danse. Et j'aimerais, Julien, qu'on continue de parler l'album. On s'est arrêté tout à l'heure à Petite Fille du Soleil, donc il nous faut Tropique. Qu'est-ce qu'on danse sur Tropique, Laurie? Yeah, it's a brighter day. Je te dirais que c'est une des rares chansons de l'album où tu peux danser ce que tu veux. Ah. Tu sais, en boîte, là, quand tu fais comme ça. D'accord. Ouais. Il y a des sons latinos, mais c'est pas vraiment de la salsa pure comme pourrait l'être. C'est le son, DJ. Bien. C'est toi qui as décidé de réorchestrer, de faire la manche du cuivre. Je peux pas faire toute seule parce que voilà, c'est, oui, mais c'est aussi tu pilotes. Métier. Mais je pilote, oui. Je guidais, je travaille avec un jeune homme qui s'appelle Essaye et qui vraiment, il a vraiment été super parce qu'il m'apportait beaucoup de choses et en même temps il allait dans la direction que je voulais et voilà, on a fait un très très beau travail en duo tous les deux, on se complétait vraiment bien. C'est sur Tropique qu'il y a un petit air des Coulombes de Gang là. Et ça fait oui, c'est ça. Oh yes, d'accord. Alors, on va enchaîner avec l'album, toujours, hein, Danse de Laurie, qui est sorti à la fin de l'année dernière. On est déjà au deuxième extrait avec les divas du dancing qu'on vient d'entendre à l'instant. Toi et le soleil. C'est parti, Julien. C'est ici, je trouve, hein. C'est ça ? Tout bon. Donc, il y a l'intro au début, hein, forcément, sinon on peut parler un petit peu. Hop. Nous n'aurons plus jamais un jour de pluie. Comment tu expliques cette chanson? Cette chanson, c'est une chanson de Claude François. Oui. Mais avant aussi, c'était une chanson de Dissipé. Exactement. Celle-là aussi, elle est bien craquante, cette chanson-là. 3 minutes 50 de bonheur. C'est normal, c'est toi et le soleil. Elle fait voyager, celle-là. En fait, celle-là, ouais. Quand tu fermes les yeux, elle est un peu plus. C'est des sonorités un peu plus africaines. Mais plus fait. Fort et fermez les yeux, le public. Allez voir les éléphants passer. Fermez les yeux. Voilà. Je ne vois plus que toi, toi et le soleil. Je vais dire fermer les yeux, le public. Hop. Laurie, sur quelle chanson je peux danser un tango avec toi? Un tango, il n'y a pas de tango. D'accord, excuse-moi. Une salsa, on peut faire une salsa. Une salsa. Bah, une salsa sur le coup de soleil. Ok, je veux bien. Ils sont sympas, hein, monsieur Tavé. Est-ce que je sais pas du tout danser. Oh là là. Alors, comme toi, tu es une professionnelle, et je le redis, je ne comprends pas pourquoi tu es partie de l'émission.
Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être le détail? Non, c'est les gens qui choisissent, qui votent. Ce que je peux te dire, c'est que c'est... Excuse-moi, à côté de celui qui fait du skateboard, moi j'étais... C'est une émission de télé. Non, mais les nerfs, quoi. Enfin, je sais pas. Vas-y, parle-en. Livre-toi, vas-y. Non, mais écoute... Okay. Quoi te dire? Non, mais tu sais, le fait d'arriver avec une étiquette, mais c'est vrai que tout le monde me donnait gagnante base, avec Amel. Voilà, c'est ce que je voulais te dire, moi. Au début, moi, je t'ai connu il y a 10 ans. Il y avait 20 000 ou 30 000 personnes lors de concerts. C'était dans une autre ville, dans le sud-est de la France. Sur les 20 ou 30 000, il y en avait peut-être 15 000 qui venaient pour toi. C'était un show. Non, mais je déconne pas. C'était un show, tu dansais sur scène et tout. Donc, je me dis, quand Laurie va participer à cette émission, quoi, voilà. Trop facile, les doigts dans le nez. Oui et non, parce que déjà, effectivement, j'ai l'habitude de danser, mais là, c'était vraiment des danses de salon, quoi. J'avais jamais fait de valse, jamais fait de foxtrot, de salsa. T'as la tête carrément. Ouais, c'est technique, quoi. Côté, oui, exact. J'avais mal partout. Ouais. Il y a des muscles, je savais même oui, pas qu'ils existaient. Oui, mais je veux dire, tu étais quand même, t'étais à l'aise. Mon corps a l'habitude de danser. J'ai l'habitude de souffrir courbatures. Voilà. Mais ensuite, c'était des techniques et tout ça, des nouvelles danses, des nouveaux pas. Mais alors ensuite, voilà, je reviens sur mon étiquette de danseuse. Habituée à danser, beaucoup de personnes me voyaient déjà gagner le concours. Et donc, quand tu arrives déjà dans une compétition avec être favorite, on t'attend, toi, les gens ne vont pas forcément voter pour toi parce qu'ils pensent que tu vas passer. C'est bon. Ok, d'accord, je comprends. Donc, merci. Voilà, j'aurais dû aussi peut-être avoir... Très bien. En tout cas, on peut l'applaudir pour sa participation à cette émission. Alors maintenant, comme ça, moi, je vais voir ce que ça fait. Parce que, justement, une émission de danse à la radio, enfin, on a des caméras sur la web TV de 100% sur 100%.com, vous pouvez nous voir. Julien, tu as repéré la chanson dont on t'a parlé, hein? Tu sais ce que c'est? Voilà. Alors comment déjà, on se met pour la salsa, la salsa là-bas. Merci. C'est 1, 2, 3... 5, 6, 7. Bon, attends, les caméras sont là. Combien tu dis ? 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et avec tes pas, tu fais toujours 1, 2, 3, 5, 6, 7. C'est-à-dire, tu fais. Donc ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et donc, en fait, quand je vais reculer ma jambe, toi, tu vas l'avancer. Ok ? Ça fait 1. Alors je vais te montrer. C'est radiophonique. Tu fais comme moi d'abord. D'accord ? Tu me suis. Vas-y. Donc ça fait 1, 2, 3. 5, 6, 7. Okay. Tu vois, okay. Tu fais tout le temps ça. Attends, on va le faire en musique, ça va peut-être m'aider. Julien, s'il te plaît, là, je passe vraiment pour un mauvais danseur, que je suis d'ailleurs. Ah oui, mais attends, je vais pas rester derrière toi tout le temps. Vas-y, non, il faut que je te montre d'abord. Ah d'accord, vas-y. T'es prêt? Ouais, c'est parti. 1, 2. Enfin, musique. J'ai attrapé un coup de soleil. Applaudissements, on peut frapper dans les mains pour m'encourager, s'il vous plaît. Ah, tu fais tout le temps ça. Ouais, ok. Je comprends rien. Voilà. Et là, toi, tu fais. Voilà. Okay. Toi, tu vas par là. D'accord. Voilà. Tac. Oh, c'est dur. Et d'autre côté. Non, merci, j'arrête. Merci. Bravo, merci, Laurie. Bravo. Alors, mais je comprends. Non, mais. Voilà. Non, mais c'était pour montrer aux gens sur la web TV de 100% sur 100%.com que c'est pas évident de faire danser avec les stars. Parce que je suis content, j'ai fait mon danse avec les stars, avec Laurie. Voilà. Ça s'applaudit. Ben ouais. Non, mais en tout cas, pour revenir sur cette émission, c'est une très très belle émission. Et j'ai appris énormément de choses. Et oui, voilà. Est-ce que ça va te servir, par exemple, pour la tournée Showgirl? Ça a été une très belle aventure, bien sûr. Bien sûr, il y a plein de pas, plein de portées, plein de nouveaux... Voilà, ça t'a servi pour monter... Il y a plein de choses que je vais pouvoir me resservir. D'accord, mais ça bien. A été vraiment une très, très belle aventure et j'en ressors vraiment grandie et plus forte. Voilà. Très bien. Laurie, je vois le temps qui passe. Il est déjà 20h37. Non. Et les fans qui sont venus ici... participe à l'émission avec des questions. Oui, alors, impatient, si tu es d'accord, comme c'est ton interview, c'est toi qui choisis, est-ce que tu veux une question du public ou est-ce que tu veux chanter? Une chanson du public. Une chanson du public. Ça, c'est très bien. C'est très bon, ça. Qu'est-ce que vous voulez chanter comme chanson du public? Non, une question. Une petite question comme ça. Alors, je vais peut-être aller voir. Parce que les chansons, Si. Alors, attends, t'es là aussi. Tu veux venir au concert. Oui, le 20 avril, ça sera à Toulouse, au Casino Barrière. Vous pouvez réserver vos places. Bordeaux, où es-tu, Bordeaux? Bordeaux, à côté de Bordeaux. Elle est là, à côté de Bordeaux. On peut l'applaudir. Elle vient de loin. Une habituée, une fan qui est très active. Ah, tu connais une fan? Oui, tu connais sur les radios sociaux. Donc, comment ça s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? Excuse-moi. Marilyn.
Tu viens d'où exactement? Brann. D'accord. Donc, c'est à côté de Bordeaux. Oui, 33. Voilà. Sois la bienvenue ici. Merci. Tu peux poser ta question. Alors, Laurie, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. <C'est>... L'autre, elle a fait je ne sais pas combien de bornes pour venir, tu sais. Bon, alors, vas-y, ta question. Alors, lors de la pré-écoute de danse, tu nous as dit qu'il y a un album collector qui allait sortir cette année. Et c'était pour savoir si tu pouvais nous en parler un peu plus, quand est-ce qu'il allait sortir. Et... Ah, bah, écoute, pour l'instant, on reste sur cet album-là jusqu'à nouvel ordre. Et on va laisser la tournée. Et après, peut-être par la suite, il y aura un album collector. Mais là, il s'est passé tellement de choses. Et dès lundi encore, je démarre sur un tournage de téléfilm. Donc... Voilà, ça recule un petit peu l'album collector, mais c'est toujours dans nos têtes, on y réfléchit, mais pas tout de suite. Voilà. Alors, service après-vente de la question, est-ce que tu es satisfaite de la réponse? On peut applaudir, la question était très bonne. Merci Laurie pour ta réponse. Du côté de Limoges, c'est où ça? Limoges. Limoges aussi, Laurie, voilà, on vient des quatre coins de la France dans le Tarn-et-Garonne. Ouh là là, comment je vais faire pour aller là-bas, moi? Bah, tu fais passer le micro? Tiens. Tu lances, tu lances. Je te le lance. Vous faites passer le micro jusqu'à la demoiselle là-bas? Ouais. Oui, bien sûr. Ça va? Voilà. Bonsoir, Laurie. Bonsoir. En fait, j'aurais voulu savoir si... Je m'appelle Fanny. Bonsoir, Fanny. De Limoges. En fait, j'aurais voulu savoir s'il y allait avoir d'autres dates pour la tournée. Pour la tournée. Et écoute, pour l'instant, il y a ces dates-là. Je t'avoue qu'il y en a d'autres en prévision aussi pour cet été. À Limoges? Je ne sais pas. Je ne connais pas les dates. Il y a des festivals aussi qui sont en train de se caler. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore fixe. Enfin, c'est pas encore, voilà. Voilà, je ne peux pas trop encore en parler, quoi. Tu vois, t'as compris. Oui. Oui, alors le micro fait demi-tour, hop, si on veut bien te le rendre. Ah, Wilfried reprend le micro, merci beaucoup. Donc, nous avons d'autres questions, je crois. Mais oui. Oui, mais moi j'aimerais que tu chantes en fait, Laurie, parce que je vois le temps qui court. Ah, et c'est le temps qui court. Court. J'ai du mal à chanter, moi. J'ai toujours rêvé de chanter, mais... Comme danser, tiens. Waouh. Ok, d'accord. Non, mais si tu me demandais de présenter une émission de radio comme ça, là, je serais incapable. Non, c'est... Donc, franchement... Alors, ça, c'est pas vrai. Parce franchement, que on peut l'applaudir très, très fort. Arrête. Mais non, c'est pas vrai parce qu'en plus, tu as présenté des émissions de télé. Oui, c'est vrai. Quel genre d'émission? J'ai présenté une émission sur la chaîne E-Entertainment. Exactement, Entertainment, Rock Again, Michael James. Entertainment, Rock Again. C'est une émission qui s'appelait Opening Act. Voilà. Oui. Donc, j'ai animé présenté huit émissions. Alors, comme je l'ai dit au début de l'émission, je suis fan. Alors, j'aimerais te parler de plein de trucs, mais je vois le temps qui court. Mais si, non, mais tu viens de parler d'un truc intéressant tout à l'heure avec mais la question. Quitte, après, je pourrais... Parle-moi de Joséphine. C'était le J. Voilà, le J qui est là. Voilà, Joséphine, un téléfilm. Il faut savoir que tu as fait ton premier téléfilm, c'était De Feu et de Glace. Tout à fait. 6 millions de téléspectateurs. Oui, 6 millions et demi. Applaudissements. Un autre téléfilm avec Monsieur Alain Delon. Monsieur Alain Delon. Le titre, c'était... Un mari de trop. Un mari de trop. 7 millions de téléspectateurs. On applaudit. Voilà. Et là... Attends. Il fait l'amour. Ah ouais, mais là, c'est parce que je ne maîtrise pas la langue. C'est pour ça. Le tournage spécifique en France des Feux de l'amour avec Laurie qui interprétait... Une petite mannequin. Une mannequin. Voilà. Et comment ça s'est passé? Alors, c'était comment? Tu as tourné en français? En anglais, j'ai tourné en anglais. Et en plus, elle parle anglais, décidément. Voilà. C'était super, c'est une très belle expérience. Voilà. Donc, tu as été vue Ça a été diffusé dans 50 pays. Et depuis, j'ai des fans italiens, allemands. Donc, tu parles toutes les langues maintenant. Non, mais non. Donc, Joséphine, ça, c'est en préparation avec Mimi Mathy. Je commence lundi. Tu commences? Ça y est, c'est lundi. Oui, alors, parce que, attendez. Oui, ça s'applaudit. Le public applaudit également. Voilà. Parce que. C'est pour ça, mais ça m'étonne pas que ton papa Dominique me dise que vraiment tu le fatigues, parce que je regarde un petit peu l'actualité. Donc hier soir, tu étais en direct à Paris dans l'émission de Cyril Hanouna. Et mardi, j'étais à Lyon. Mardi, tu étais à Lyon aussi sur des radios. Tu as enregistré l'émission Le plus grand cabaret du monde qui va passer quand, tu sais?
Quand est-ce que ça passe? Bientôt. Je sais plus, ça va passer bientôt, voilà, chez Patrick bientôt, Sébastien. Bientôt. Un truc qui devait être sympa, tu vas m'en dire deux mots, la parenthèse inattendue avec Monsieur génial. Lopez. T'étais avec qui J'ai pas le droit de dire encore avec qui j'étais. Ah, t'as pas le droit de dire, c'est quand ça? Mais c'était c'est formidable. J'étais avec un comédien et un comique comédien. Oh, je l'ai vu en plus, je m'en rappelle. Et franchement, ça a été une belle découverte. Ça a été, on a passé 24 heures ensemble, enfin, ou 28 ouais. heures, je ne sais plus. C'est 24 heures, ouais. C'est, t'as c'est... fait de la cuisine un peu là. Bah oui, bien sûr, ouais. On oublie d'accord. de cuisiner. Enfin, tu vas peut-être pas tout mais raconter. Moi, ce que j'ai fait, c'est moi, bon. Non c'est il ça. Se reconnaîtra s'il entend, c'était réussi. D'accord. Et on continue de parler dans un instant. Les restos, les enfoirés, les enfoirés que tu as fait, donc il y avait voilà 4 ou 5 dates, 7 concerts, 7 concerts pour la captation d'une émission qui sera diffusée au mois de mars sur TF1 normalement. Oui, sûrement, souvent fin février début mars et ça va être encore un très 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 beau show, on est plus de 40 artistes ça sur ça fait scène. Combien de temps que tu le fais toi? C'est ma 12e année. Oh, 12e année. Ah oui, mais je prends un coup de vieux, voilà. Là. Vous imaginez, ça fait 12 ans, elle a commencé à 6 ans, elle a 18 ans. Dès 6 ans, elle a fait les restos. Non, et on a la date début mars, je crois. Je ne sais pas, on n'a pas encore la date exacte. Si, je crois que je l'ai. Le 8 mars, non? Non, on ne sait pas. 7 c'est pas, Le 8 mars On ne sait pas. On ne sait pas encore. Bon, mais d'accord. Ce que je peux vous dire, c'est que dès le lendemain de la diffusion, vous pourrez acheter le DVD ou le CD. Tu fais bien. Des enfoirés. Tu fais très parce bien. Que un DVD ou un CD acheté, c'est 18 repas pour les Restos du Cœur. Bravo, et Laurie. Ça, merci de participer à ça. J'achète. J'achète. Les pièces jaunes aussi. Je oui. crois que tu vas à Nice demain pour les pièces jaunes. Demain, je vais à Nice, mais pour une séance photo. Mais samedi, je serai encore à Nice pour les pièces jaunes. Tu vas voir Madame Chirac. Tu lui passeras le bonjour de ma part. Voilà. Laurie, il faut qu'on chante. Vous voulez bien le public? Bon, j'ai pas entendu. Il nous en reste une ou deux chansons. Vous voulez? Attends, on va en faire une. On verra après. On aura peut-être le temps encore. On va voir en surprise. Est-ce que vous voulez une chanson de Laurie? Laurie, c'est quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi sur 100% en direct. C'est le relève, c'est sûr. Ouais, vas-y, tu as le temps de faire une chanson. J'expliquerai après la suite de l'émission, ne t'inquiète pas, on a jusqu'à 21h. Ben après, je peux demander aussi à Sébastien qu'on reste jusqu'à 23h, hein, c'est pas un problème. Hein. On va voir ça. Je vous demande d'applaudir Laurie, s'il vous plaît, qui va vous interpréter un titre en direct. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un coup de soleil ou on fait sur un air latino? Eh, on n'a pas entendu le choix. Alors, dites-moi. Alors, qui est pour un coup de soleil? Coup de soleil, qui? Sur un air latino? Ouais. Bon, ben, je crois que là, voilà. Eh ben, de toute façon, moi, j'ai voté pour le coup de soleil. On l'écoutera quand même avant la fin de l'émission. Mais voilà, oui, si c'est comme veux. Ça. Eh ben, voilà, c'est parti. Laurie, qu'on accueille, s'il vous plaît. Vous la connaissez, alors. Et qu'on applaudit en direct sur 100%. Laurie, rien que pour vous, Cap Cinéma de Montauban. Et là, je veux voir quoi? Toutes les mains en l'air. Une fleur dans mes cheveux et mon corps commence à se déhancher. Un reste de tequila et voilà señorita, toujours prête à faire la fiesta. Il suffit que tout le monde se mette à danser. On est prêt à chanter et tout oublier sur un air latino. Sur ma peau me fait vibrer. Quand il s'approche de moi, je lâche au sexy hola. Moi j'en sors et hasta la vista. Et tout le monde continue de danser. On est prêt à chanter, ne plus s'arrêter. Sur un air latino, je ressens le tempo. De Paris à Rio de Janeiro sur un air latino. Comme dans les idéaux, je décolle illico. C'est toujours très chaud dans l'ambiance à des rythmes latino. Ça va toujours parce que je vous entends pas beaucoup en fait.
Vous êtes là? Vous êtes là? Bon, maintenant, faut chanter avec moi. Hein. Parce que je sais que vous la connaissez. Vous êtes prêts? Merci. Laurie, sur un air latino, en direct sur 100% avec le public du Cap Cinéma. Chanteur, applaudisseur, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas c'est bien. Danseur danse, également. Ça se lève, ça danse. Il est 20h49, Sébastien, on va revenir dans un instant ici avec le public du Cap Cinéma en direct sur 100% avec Laurie. Ne bougez pas, on revient dans un instant juste après ça. A tout de suite. Allez public. En direct sur 100% et sur la web TV 100%.com, vous pouvez regarder encore sur l'iPhone, sur le site internet. Le public du Cap Cinéma de Montauban. Avec Laurie, son album, c'est Danse. On est déjà avec le deuxième extrait, on l'a entendu tout à l'heure, c'était Philippe Cataldo, la reprise. Dis-moi. Les divas du dancing. Voilà, c'était la lettre D. Voilà, Diva, la lettre D, je la montre. Est-ce que tu veux me faire les petites lettres là qui restent pendant bah oui, qu'on est là? Oui, écoute, allez. Ouais, celle-là, là. Si je retrouve... comme Laurie. L comme Laurie. Non, attends, c'était pas ça que j'avais prévu, j'ai perdu ma fiche. Rendez-moi ma fiche, s'il vous plaît. Ah bah, bravo. L. Non, si, ça y est, j'ai trouvé. Il y a un numéro de téléphone. Oui, j'ai tous bah ouais. les numéros des tu gagnants, branches, des toi, auditrices. Tu voilà, l'émission. Exactement. Ouais. Non, alors, comme prénom, L, il y a Laurie et il y a... Ouais, oh. et aussi un autre prénom qui commence par L. Laura. Non, ça se passe en ce moment. Il y a un truc en ce moment dont tout le monde parle. Les quoi? Les divas du dancing. Non, les divas. Non. Un prénom. C'est un prénom, je cherche. Une chanteuse. Lorraine. Oui, Leslie. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait à Leslie? Mais qu'est-ce j'ai que rien fait. Qu'est-ce que tu as fait à Leslie, Laurie, s'il te plaît? Mais alors, je sais pas, demande-lui. Le drame pas, arrive. Pas, c'est pas de ma faute. Voilà. Alors le drame arrive avec cette phrase. Moi, je ne vais pas montrer mes seins pour vendre plus de disques. Moi, j'ai regardé tes vidéos, je ne les vois pas. Ben moi non plus. Voilà. Non. Si je les vois là. Mais... je vais pas vérifier. Alors, ni raccourcir ma jupe si les gens ont envie de croquer dans une banane ou se mettre en slip à la télé, c'est leur problème. Ah, qu'est-ce que ça, c'est mon clip. Oui, mais c'est ton clip. Mais je veux dire, alors ce clip, faut qu'on en parle parce qu'on a un petit peu de temps. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté. Alors, il y a un petit côté provoque peut-être, mais je dirais au-delà où tu ne te prends pas au sérieux. Et c'est comme tout le monde le matin quand tu te lèves. Mais, non, mais voilà. Non, mais il faut peut-être leur expliquer aux gens. Il faut avoir un petit peu d'humour aussi. Non, mais voilà. Voilà. Ah. Et d'ailleurs, j'adore ta réponse. Ce n'est pas quand j'aurai 60 ou 70 ans que je pourrai me mettre en petite culotte dans un clip. Voilà. Ça, c'est sûr. Moi, je propose qu'on applaudisse la réponse. On applaudisse la réponse de Laurie. Voilà. Mais ça vient d'où ce truc? Qu'est-ce qu'elle a, notre pas, amie là? Mais je sais pas, j'en sais rien. Parce que vous êtes rencontrés en plus sur. Parce que j'avais oublié, tu es aussi sur la compilation Génération Goldman. Non, je ne suis pas. Tu es pas? Non. Mais qui m'a dit ça? J'ai pas voulu. Mais t'as fait l'émission de télé. J'ai fait l'émission de télé, oui, alors, mais j'ai pas voulu être sur la télé. Et je veux dire, c'est encore plus fort. Tu fais pas le disque, on t'invite pour venir chanter. C'est comme ça. Écoute. Ils ont cru que tu y étais et moi aussi. D'accord. Bon, en tout cas, non, mais t'étais dans l'émission en tout cas. Oui, j'étais dans l'émission où j'ai fait un. Oh là, j'ai chanté. Tu l'as pas mis un. J'ai chanté avec Johnny Hallyday. Ben oui, mais non, je mais sais. À l'émission, elle n'y était pas, Leslie. Ah, d'accord. Bon, bah, alors tu vois, on invite ceux qui. Ah, c'est compliqué. On non, invite ceux qui sont voilà, pas dans le. Ouais, moi, bah, c'est bon, écoute. Okay. On invite qui on veut. Mais à la génération. L'émission de télé, j'ai chanté avec monsieur Johnny Hallyday. Bon, ça s'applaudit aussi, s'il vous plaît, Johnny Hallyday. The Boss. Excellent. Bravo. Donc voilà, voilà. Écoute, on en est où revenir, on en est où là-dessous? Elle dit ce qu'elle veut et puis moi je fais ce que je veux et puis voilà. Ouais. Applaudissements, voilà. C'est ça. Non mais comme ça au moins on peut régler le problème, c'est nickel. Voilà. Moi je propose encore, allez, une question rapide. On a 2 minutes pour les questions du public. Alors attention, votre prénom? Laura. Laura, vous venez d'où? Toulouse. Toulouse, votre question? Je voulais savoir quelle chanson tu choisirais de toute ta carrière.
Que tu ma préférée. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est dur. Écoute, je dirais quand même sur un air latino. Ouais. Parce que ça a été c'était une chanson. Il a fallu que je me batte pour qu'elle existe. Il a fallu que je la défende fort. Parce qu'au départ, en fait, on cherchait un... Je vais vous expliquer comment elle est arrivée, cette chanson. Je vous explique plein de choses ce soir. En fait, on avait fait une réunion avec mon producteur de l'époque et puis ma maison de disques pour qu'on se mette d'accord sur le prochain single. Alors, je ne sais plus en quelle année c'était en 2003 ou 2004. Et l'été allait arriver, c'était vers peut-être mars. Donc, on devait choisir... Juin. Alors, non, c'était vers mars. Alors, printemps, alors. Pour trouver le single de l'été. De l'été, voilà. D'accord. Et donc, on devait trouver un Sébastien, single. T'inquiète pas, Sébastien, en studio, elle va chanter sa chanson, tu feras des heures sup, je te les paye. Voilà. on devait se mettre d'accord sur le prochain single, qui était sur l'album qui était déjà sorti. D'accord. Et moi, j'arrive en réunion et je leur dis, je ne veux pas de chansons, enfin, en tout cas pour le prochain single, de chansons qui sont qui est sur l'album. Oui. Je veux un nouveau titre inédit. Tu as fait ton taureau. Et là, alors, ils me regardent comme ça, mais qu'est-ce qu'ils racontent encore? Et je lui dis, voilà, je veux un titre avec des sonorités latino, je veux danser de la salsa, ouais. Je veux du soleil, je veux que ce soit festif. En gros, je voulais, à l'époque, je voulais me la péter comme Dilo. Ah, d'accord. Ça, c'est clair. D'accord, voilà l'histoire, ok. Et donc, ils m'ont regardé, ils m'ont fait, voilà, super, ouais. Mais l'album est sorti. Je dis, c'est pas grave, on refera une nouvelle édition avec celui-là. Ouais. Je trouvais des réponses à tout, en fait. Ouais. Et puis, au final, quelques jours plus tard, ils y ont tous réfléchi, ils se sont dit, c'était peut-être une bonne idée. Si mal. Ouais. Et au final, sur Un Air Latino, ça a été le single le plus vendu, enfin, les miens, voilà. Donc, je suis très contente. Satisfaite de la réponse, c'était une très bonne question, merci beaucoup. C'est le moment où je vais vous remercier, vous, public, d'être venu ce soir. Bravo, applaudissez-vous encore. Félicitations, vous avez été géniaux. Je vais remercier La Dépêche du Midi, où vous aurez un reportage dans les jours qui viennent, dans La Dépêche du Midi. Je vais remercier également Mercedes-Benz, I'm sure, qui étaient les partenaires, on peut les applaudir, de la soirée. On va applaudir mon Julien. Il était bon, Julien, oui, sur la musique. Julien, on l'applaudit, s'il vous plaît. On va accueillir, on va applaudir également Philippe qui est dans le camion. J'espère qu'il n'est pas frigorifié. Merci Philippe pour les caméras qu'on l'applaudit. On va accueillir également et applaudir toute l'équipe de 100% présente dans le Cap Cinéma de Montauban. Je vais remercier aussi Sébastien qui va faire un peu d'heure sup parce qu'on va faire un titre encore avec Laurie en direct sur 100%. Je vais squatter l'antenne encore quelques minutes et je vais bien sûr remercier Laurie, s'il vous plaît. On peut encore l'applaudir. Son album, c'est Danse en ce moment, un album que je vous conseille vivement. Sa tournée passera par Toulouse le 20 avril au Casino Barrière et le 14 avril, ça sera... L'Olympia, on a parlé pendant tout au long de l'émission, les différentes émissions à venir, les restos qu'on verra à la télé, les pièces jaunes. Merci pour ta disponibilité. Mais tu as la grippe, tu es malade, tu chantes, tu participes à cette émission en direct. Vous êtes tous malades demain, c'est super. Merci Laurie et on termine en chanson avec Laurie en direct sur 100%. Merci à tous. Bon, vous la connaissez aussi celle-là, je crois, non? Le coup de soleil. Ah, et le coup de soleil, en direct sur 100% avec Laurie. Et là, elles sont, ouais. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. C'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit. Je fais des voyages sur des bateaux que font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin. Et j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Mais tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la mettre en face et visiter ton Bali. Je mets tes photos dans mes chansons, les voyais dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je m'en connais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je vais plus rêver, je voudrais que tu reviennes. Me faire voler, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller.
là-bas, la tête en face, et visiter ton paradis. Ça va toujours. Et elles sont où mes mains en l'air? Et si vous voulez danser, allez-y, hein. Ça vient, c'est sûr, faut que je me décide. Je vais faire le mur et je tombe dans le vide. Veux-tu m'attendre près de la fontaine? J'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau depuis l'été. Je fais du bateau dans mon quartier. Il fait très beau, on peut ramer. La mer est calme, on peut se tirer. Mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la tête en face, et visiter ton paradis. Merci, merci, merci. Mais tu n'es pas là. Quand tu t'en vas. Mais tu n'es pas là. Merci Laurie, c'était Laurie. Merci à vous. En direct du Cap Cinéma de Montauban. À vous les studios, Sébastien. Merci, il est 21h01. Merci Laurie. À bientôt. Salut.